Je m'appelle Dirk Brossé, je suis tout d'abord compositeur, mais aussi chef d'orchestre. Et j'ai, ensemble avec Ron et César, on a créé cette œuvre à Lyon, avec l'Orchestre National de Lyon. Puis on est allé à Paris, à Londres, en Belgique, on a joué ça avec l'Orchestre Philharmonique de Liège. Et maintenant, nous sommes à Lille pour, je crois que pour la cinquième, sixième fois, qu'on va présenter ce projet devant le public à Lille. Et je dois dire que les répétitions, ça marche très bien, les musiciens s'adaptent tout de suite et ils sont très ouverts vers cette nouvelle expérience. C'est très intéressant, c'est un mélange entre deux univers en fait. Il y a l'univers de Ron, qui est un univers de la musique créé par des machines, et d'autre part, une autre partie qui est créée par l'orchestre symphonique. Et je dois dire que c'est très intéressant parce qu'on entre, nous, comme musiciens classiques, on entre dans un univers qu'on ne connaît pas. Il y a tellement une richesse dans les timbres et dans les couleurs des sons que nous, on ne connaît pas. Et c'est donc un mariage unique entre les deux univers. Donc Ron, c'est un musicien, un compositeur très naturel. Je crois qu'il ne lit pas des notes, donc il a aucune idée du monde de la musique classique. Mais c'est quelqu'un dans sa tête qui a beaucoup de fantaisie et qui est très original avec ses idées et avec les compositions qu'il créait. Et pour lui, c'est évidemment un rêve d'avoir sa musique orchestrée ou une partie de sa musique pour l'orchestre symphonique. Pendant le concert, il y a une partie acoustique qui est jouée par l'orchestre symphonique, mais il y a aussi une partie gérée par des machines. Donc vraiment, sur le plateau, dans la salle de concert, on entend et on voit aussi le mariage des deux univers, l'univers de la musique électronique et l'univers de la musique symphonique acoustique.